Tu es très drôle sur cette photo, dans deux livres. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la page suivante? Ah non, pas celle-là, papa. Je veux pas la voir. Ça porte malheur de revoir ces photos. Mais enfin, de quoi parlez-vous? C'est la maison que vous aviez construite pour le grand lapin blanc. Puisqu'on vous dit que ça porte malheur. Malheur! Allez, vas-y, Mistouflet. Attendez, moi je dis, il faut vérifier qu'il ne manque rien. Mais oui, c'est bon. Allez, Mistouflet, allume les ampoules. Ouais, ça va, ça va. Elle est super belle. Sabrelotte, mille carottes. C'est du très beau travail, les enfants. Le grand lapin blanc sera très, très content là-dedans. On est trop contents. Et vous avez vu? On a même mis un pot avec de l'eau. Ben oui, peut-être qu'il aura envie de se laver les mains, le lapin blanc. Ou les pieds, parce qu'il va beaucoup marcher cette nuit. En plus, avec tous ces chocolats sur le dos, il va être très fatigué. Je suis fière de vous. Vous l'avez terminé juste à temps. Bravo! On n'avait pas vraiment le choix, tu sais. C'est ce soir la nuit des chocolats. Et c'est ce soir que le grand lapin blanc va faire sa tournée. Ouais! Tu crois qu'il s'endormira dedans, papa? Et tu crois qu'on pourra le voir demain matin? Ah oui, c'est génial! Comme ça, on pourrait lui parler, le toucher même! Vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Vous savez très bien ce que dit la légende. Celui qui l'aperçoit sera plongé dans un grand malheur. Alors lui parler, n'y pensez même pas. C'est vrai, papa? C'est vrai, Zinia? Pourtant, vous l'avez déjà vu, vous. Est-ce qu'il est plus grand que moi? Est-ce que c'est vrai qu'il a une queue verte? Je vous ai dit 100 fois que personne ne l'avait jamais vu. Et maintenant, zou, la nuit va bientôt tomber. Alors, tout le monde au bain. À mon avis, il vole. Sinon, je vois pas comment il pourrait visiter toutes les maisons en une nuit. Tu crois qu'il a une amoureuse? Tu crois qu'il aime un peu beaucoup, très, très, très beaucoup le chocolat? Vivement demain qu'on aille chercher nos chocolats. C'est dans longtemps demain. Quand j'étais petit, grand-père Théo m'avait appris une méthode infaillible pour que le matin arrive plus vite. C'est d'aller au lit et de dormir. Alors bonne nuit mes chéris. Allez, zou, petit curieux. Bonne nuit papa. Bonne nuit papa. Bonne nuit papa. Bonne nuit papa. Est-ce que tu crois qu'il a de très longues oreilles? D'énormes oreilles, capables de repérer n'importe quel petit lapin à 10 km à la ronde. Et à mon avis, il ne doit pas être très content de vous entendre encore. Et ses dents, tu crois qu'elles sont grandes? Dents de lion! Allez, dors maintenant! Je n'y vois rien d'ici. Rien de rien. Derrière toi, au cas où. Un tout petit, petit peu. De toute façon, si le grand lapin blanc ne voit pas l'espionner, bah, il le saura jamais. Oh, il est là! Oh là là! On le regarde juste un tout petit, petit peu et on s'en va, d'accord? Oui. Sa perlie brûlote, il a l'air tout vieux. Ouais. C'est même pas vrai qu'il est grand.
T'as vu, il marche tout doucement. Oh, cache-toi. Oh là là, il nous a vu, il nous a vu. Non, il a failli nous voir, c'est pas pareil. Regarde, la lumière n'est pas allumée, donc on était dans le noir. Par contre, si papa et Zinia savaient ce qui s'est passé, ça barderait. Bah oui, mais... Alors on dit rien à personne, c'est promis. Muet comme une truite. Il a dû passer comme chaque année. Sa prolote mille carottes. Le grand lapin blanc n'a pas pu vous oublier quand même. Mais pourquoi, papa? Pourquoi il n'a rien laissé? On a eu le sens pour ces images du dernier jour. Il a dû se passer quelque chose. Alors c'est la maison qui ne lui a pas plu. S'il agit toujours la nuit, c'est forcément qu'il n'aime pas la lumière. On aurait dû y penser avant de mettre les petites lampes. Elles lui ont fait peur, c'est évident, Pirouette. Oh, Pirouette, regardez un peu ça, le grand lapin blanc m'a gâté. Et moi aussi, j'ai jamais eu autant de chocolat. C'est pas juste, hein, papa? Tu te rends compte? Pas une miette de chocolat. Rien de rien de... De rien, oui, je sais. Ça fait 100 fois que vous me répétez ça. D'accord, le lapin blanc n'est pas venu cette année. Mais il passera l'année prochaine. Hein? Chut. Eh oh, ça va pas bien ou quoi? J'ai pas envie de jouer à cache-cache. Agari, c'est notre faute si on n'a pas eu de chocolat. C'est parce qu'on a espionné le lapin blanc. Et le malheur, il nous est tombé sur la tête. Tais-toi! T'es fou ou quoi? En plus, ça peut pas être à cause de nous, parce que le lapin blanc ne nous a pas vus. Tu comprends ça? Pas vus. Vous me décevez, les enfants. D'habitude, vous trouvez de meilleures cachettes que ça. C'est pas gentil de dire ça. C'est quand même bizarre que vous ayez eu autant de chocolat. Voleur! T'as raison, Sorette. Moi, je vous dis, ils sont venus dans la nuit et ils nous ont tout piqué. Alors, comme ça, vous nous traitez de voleurs? Répète si tu l'oses. Parfaitement. Voleur, voleur, voleur. Tu vas voir. Arrêtez sur le champ. Apparemment, cette histoire de chocolat vous monte un peu trop à la tête. Accuser des amis, sans preuve en plus. Mais Zinia! Taisez-vous. Maintenant, c'est vous qui allez m'écouter. Moi, je dis, on a été volés. Oh là là. Désolée, Paprenelle. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Je vais te raccompagner. Alors là, certainement pas. Je ne veux plus jamais que tu t'approches de chez moi. Toi, comme tes frères et sœurs. Plus jamais. C'est le grand malheur, Agari. Le grand malheur. Et quand vous aurez fini ces corvées, vous irez faire des excuses à Grémil et Paprenelle. Allez, on va vous aider. Pantin et moi, on est super forts en lessivage de parquet. Cric, crac, boum, c'est moi le pro de l'escalade. Alors c'est moi qui m'y colle.
Je vois que chacun y met du sien. Alors tout le monde va pouvoir profiter de mon petit goûter surprise. Waouh, des lapins en chocolat. Oh, merci, Zinia. Oh oui, merci. Il n'y a rien de mieux pour se remettre les idées en place et pour oublier toute cette histoire. Oh ben, sympa. Il n'y en a qu'un qui travaille ici. Eh, hey, laissez-moi au moins les oreilles, c'est ce que je préfère. Oh, mais qu'est-ce que... Mistouflet, ça va? Oh, oui, ça va. J'ai eu peur, c'est tout. Ça perd les popettes. Que d'émotions aujourd'hui. Mais il y a des jours comme ça. Eh oui, on dirait des fois qu'il n'y a rien qui va. Alors, vous avez vu Grémy les pimpreneurs? Oui, mais il n'y a pas que qu'on a vu. Figure-toi qu'on est allé voir là où était posée la maisonnette. Et on a vu de drôles d'empreintes. Ouais, bien trop grosses pour appartenir à des souris ou à des mulots. Et tu sais quoi? Bah, il y a des traces qui s'approchent et d'autres qui s'éloignent. Ce qui veut dire... Oh, que le grand lapin blanc est venu et qu'il est reparti. Et pourquoi il ne nous a rien laissé alors? Parce qu'il est méchant, bien sûr. Faut pas être méchant pour faire de la peine aux cinq petits passifleurs. Ce satané lapin doit bien vivre quelque part. Si on le retrouvait, on pourrait l'interroger et comprendre enfin ce qui s'est passé. Ouais. Ce soir, Zinia a brûlé tous ses gâteaux. Mistouflet a failli être écrasé sur l'étagère. Et Pimprenelle veut même plus me parler. T'avais raison, Dent de Lion. C'est le grand malheur. Mais faut vraiment qu'on parte à Garrick. Tout est de notre faute. Et si on ne s'en va pas, papa, Zinia, Pirouette, il ne leur arrivera que des malheurs. Oh. J'ai pris toutes nos affaires. Quand on portera plus le malheur sur nous, on reviendra, je te le promets. Je te le promets. Trop facile. Puisqu'il a laissé des traces, alors on va les suivre jusqu'à chez lui. Ça va lui faire tout drôle quand il va se trouver face à nous. Venez, on va avertir Agari qui est dans de Lyon. Et pas besoin qu'il nous ressorte sa malédiction. Zwing, boum, je vais lui montrer moi ce que c'est la malédiction de Mistouflet Passiflant. Dent de Lyon dort aussi, mais après tout, c'est pas plus mal. Ils sont trop petits pour nous suivre demain, ils nous retarderaient. T'as raison, on leur apportera des chocolats, ça leur fera une super surprise. On t'a repéré, sale lapin blanc. Et on peut te dire qu'on va plus te lâcher. Ouais, il va falloir que tu t'expliques cette fois. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Dites donc, les enfants, c'est vous qui avez englouti tous les lapins en chocolat? Non. Demande à Agari qui est dans de Lyon quand ils se réveilleront. Comment ça? Ils dorment encore? Ça s'appelle le cauchemar. Et non, je n'en ai pas fait. Tu ne te souviens pas où on est? Ah oui, c'est vrai qu'on est parti de notre maison. Elle me manque à moi. Regarde, on est comme des rois ici. En plus, on a déjà fait un bon bout de chemin. Le village des Bois Jolis ne doit plus être très loin. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et j'ai même prévu un super petit déjeuner. Miam! Mon petit déjeuner préféré de moi!
Leur petit déjeuner préféré, avec toutes les émotions d'hier, ils méritent plus que jamais qu'on les chouchoute. Est-ce qu'un grand bol de chocolat t'aiderait à te lever, mon chéri? Debout, dans le lion, le soleil brille, une belle journée s'annonce. Salaud! Saper les popettes, ils ne sont pas là. Sa couverture n'est plus là, onusime. C'est celle que je lui ai tricotée l'année dernière. Il ne peut pas dormir sans elle. Oh, c'est le plan de la forêt. Ils ont déchiré une page. Ils sont partis, Zinnia. Partis? Mais pourquoi? Et pour aller où? Nous n'avons pas une minute à perdre. Ça y est, on t'a trouvé, méchant lapin blanc. S'il était vraiment très grand, ou qu'il avait des serres à la place des doigts. Après tout, c'est peut-être un ogre. Il s'arrête bien là, il n'y a aucun doute. Il est à l'intérieur. Grand lapin blanc, montre-toi si t'es pas un peureux. Sors de là! On est les passifleurs et on a deux mots à dire! Non, mais je rêve! Comment osez-vous me déranger en plein petit déjeuner? Quoi? C'est toi? Si j'en crois le plan qu'ils ont déchiré, c'est dans cette direction qu'ils sont allés. Mais où exactement? Impossible de repérer leurs traces. Oh, Onésime, ils sont si petits. Ils doivent être perdus. Petit, mais malin, Zinnia. Regarde ça. Eh ben ça alors, apparemment, ils ont très envie qu'on les retrouve. Allez, juste un tout petit dernier chocolat. On a tout mangé, tu comprends ça? Alors arrête de faire des caprices. Là où on va, il y aura plein de chocolats. Des blancs, des bleus, des en forme de carottes et même de radis. Allez, viens. Je t'avais dit qu'on arrivait au village des Bois Jolis. Tu vois, c'est juste là. Hein? Ben ça alors? Je me suis trompée ou quoi? C'est pas possible. C'est encore le grand malheur à Garrick. Il est tombé sur nous et maintenant, il partira plus jamais. Jamais. Mais moi, je ne veux plus les malheurs. Je ne veux plus. Non, attends, Don de Lion. Papa, ici. Don de Lion. Ça y est, je vous tiens. Oh, ma chérie, mes tout petits chéris. Non, ne touchez pas. On a le malheur sur nous parce qu'on l'a espionné. Oui, le grand lapin blanc l'a vu. Quel malheur. Je viens de retrouver deux petits lapinos sains et saufs. J'appellerais plutôt ça le bonheur, moi. Pourtant, on parlait doucement. Mais quand même, il nous a entendus et il a regardé vers nous. Alors on s'est caché, mais il a dû nous voir. Et à cause de ça, bah, l'étagère, elle est tombée sur Mistouflet. Et après, bah, même Zinnia a brûlé tous ses gâteaux. Et puis, pas prenelle, bah, elle n'aime plus Agaric. Faites-moi confiance, il n'y a aucun lien entre les catastrophes qui sont survenues à la maison et le grand lapin blanc. On a retrouvé la trace du grand lapin blanc, on sait tout. Aïe, 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 vous avez vu le grand lapin blanc? Mais fallait pas, après le malheur, il vous tombera dessus. Non, c'est pas lui qu'on a vu. Ludule la tortue. Et je peux vous dire qu'elle s'est régalée avec nos chocolats. Ben, c'est que quand j'ai vu tout ce chocolat, je me suis dit...
Gudule, tu vas te refaire une santé. Eh bien, c'est très vilain ce que tu as fait. Tu es une voleuse. C'est que je dois faire mes provisions pour l'hiver, moi. Oh. Et elles sont où, tes provisions? Ben, là. C'est le meilleur endroit pour les stocker, non? Au moins maintenant, on sait que le grand lapin blanc est bienvenu chez nous. On n'a pas pu s'empêcher de lui dire qu'elle serait victime de la malédiction. Ce n'est pas très gentil de votre part. Elle va certainement le croire que Magaric et Dandelion y ont cru. Vous savez, l'imagination peut nous jouer de très mauvais tours parfois. Non, ce sont ceux que vous avez laissés dans la forêt. Ils ne doivent pas être très propres. On n'a rien laissé dans la forêt. 1000 carottes. Mais à qui appartiennent-ils alors? Ce qui est sûr, c'est qu'on peut les assembler. Je vais vous montrer. Et hop, 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 comme ça. Et hop, hop, et voilà. Oh, ouais. Saperlipopette. Ce serait donc le grand lapin blanc qui aurait permis de vous retrouver. Si, c'est vrai. Ça veut dire qu'il ne nous en veut pas du tout de l'avoir espionné. Mais alors, pas vite. Non seulement il est gentil, ce grand lapin blanc, mais en plus, il est très, très, très bon. Mais si, je vous assure, c'est la malédiction qui m'est tombée dessus. Attendez que je vous raconte. Eh bien, attendez. J'ai mal au ventre, promis, juré, grand lapin blanc. Je ne volerai plus de chocolat. D'ailleurs, je n'en mangerai jamais plus.